que malheureusement, j'ai l'habitude de parler très très vite. Et du coup, bah, quand je chuchote, j'ai gardé ce même talk, ce même tic de parler très vite. Du coup, là, j'essaye de parler plus lentement. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai juste l'impression de parler comme une attardée. Du coup, je m'excuse. J'ai pas l'habitude de parler de façon monotone. Du coup, si j'accélère de temps en temps, je suis vraiment désolée. Je m'excuse auprès de toi, mais je ne le fais pas exprès. Du coup, aussi, je tiens à m'excuser de ma tête parce que pour la première fois que tu vois ma tronche, je suis pas du tout potable. Je viens de rentrer du travail. Je suis pendant mon temps de pause. J'ai de la chance de pouvoir être au calme. Il y a encore les voitures qui sont parmi nous, qui sont là aussi pour te relaxer, pourquoi pas, parce que j'ai vu que t'as pris toi les voitures te relaxer aussi, du coup tant mieux. Alors aujourd'hui, c'est pas pour voir ma tronche que je fais cette vidéo, c'est pour moi aussi de faire de la lecture. Donc comme promis, je vais m'entraîner donc à lire en chuchotant. Du coup, peut-être que ça va être trop pour vous, parce que je sais que Marie et Maxime ont fait des vidéos aussi de lecture. Mais pour le moment, c'est la seule chose que je peux vous faire avec aussi peu de temps et de moyens que j'ai autour de moi. Du coup, je te présente le livre que je vais te lire. Alors bien sûr, je vais pas tout te lire, parce que ce livre a plus de 1000 pages, si je me rappelle bien. Non, il a 930 pages, sans compter les notes, etc. Du coup, c'est un livre de Stephen King, donc qui a été édité par le livre de poche. Donc, je ne sais pas si c'est le livre officiel, mais je fais en fait la collection des livres de poche de Stephen King. Donc ici, c'est le livre Rêve des cauchemars. Donc voilà, avec première de couverture, une lune et un soleil. Je la trouve vraiment super belle. Je pouvais. Elle fait une vingtaine de pages. Donc du coup, j'espère que ça va
Noir, ce